Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien, mes amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Vegeta. En cette fin d'année 2017, l'épisode 121, bientôt 122, le niveau de Vegeta est le suivant. Akaishin. Vegeta est de niveau Dieu de la Destruction. La preuve est sous vos yeux. Donc là, c'est une image de la preview de l'épisode 122 de DBS. Et l'image parle d'elle-même. Je n'ai même pas besoin de la commenter. Vous avez des yeux, vous voyez. Vous connaissez la puissance de Jiren, le gris. C'est le mortel plus fort que le dieu de la destruction. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises. De plus, toujours dans la review de l'épisode 122, on voit Vegeta concentrer un Final Flash et Jiren prend la menace très au sérieux. Alors déjà, faut savoir une chose. Avant le tournoi du pouvoir, Vegeta avait déjà le niveau d'un Akaishin. Mais le niveau d'un Akaishin faible, on va dire. Dans le manga chapitre 27 de DBS, le poisson prophète va chauffer Virus, il va lui dire que ces deux-là deviendront de sérieux rivaux, en parlant de Son Goku et Vegeta. Et ça va partir en cacahuète entre le dieu de la destruction de l'univers 7 et le prince des Saiyans. Bon, Vegeta sera vaincu, il va se prendre un plaquage de tête contre le sol, un peu comme Kid Buu lui a fait dans Dragon Ball Z. Mais Virus va reconnaître la valeur de Vegeta. Il va lui dire, tu pourrais devenir dieu de la destruction d'un autre univers. C'est un hommage de Beerus qui reconnaît sa puissance. Et ça prouve qu'avant le début du tournoi du pouvoir, Vegeta ou Vegeta avait déjà le niveau d'un Akaishin. Et pendant le tournoi, bon, il n'y a rien eu de sérieux pour lui. Mais son heure de gloire est arrivée. Épisode 122. Jiren semble en difficulté. Même si on se doute bien qu'il va probablement reprendre le dessus dans les épisodes à venir, et l'honneur de le battre reviendra à Son Goku. Mais Vegeta aura son temps fort en affaiblissant Jiren. Et oui, voilà, son rôle, c'est préparer le terrain pour Son Goku. Il n'a pas besoin d'ultra instinct, Vegeta c'est de la puissance brute, c'est un cogneur lourd, un immense potentiel, on ne le dit pas assez à cause de Sangon, et surtout Freezer qui a atteint sa golden form en 4 mois d'entraînement, mais Vegeta aussi c'est un grand potentiel, et aussi un génie du combat. Et ça aussi on ne le dit pas assez à cause de Son Goku, qui lui vole sans cesse la vedette sur ce terrain là. En somme, Vegeta est éclipsé sur de nombreux points, mais il est toujours très proche du number one. Ce qui fait qu'il est très complet, il excelle dans tous les domaines. Quand je vois ce Final Flash et Jiren se protéger, c'est la preuve qu'il est devenu de niveau dieu de la destruction. Et sur ce coup de pied aussi. Voilà pour la conclusion sur cette petite vidéo consacrée à Vegeta et à son niveau d'Akaishin. Après le tournoi du pouvoir, on peut penser que le grand prêtre et Zeno vont lui proposer un poste de dieu de la destruction. Il en a la puissance. Écoutez, cette vidéo arrive à son terme. Bah maintenant, vous allez mettre votre like, s'il vous plaît. Allez, mettez votre pouce bleu, car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour re-liker. Si vous avez un frère, un sœur ou un ami à côté de vous sur son téléphone, dites-lui de venir liker ma vidéo. Et je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt.